Je suis plus que vainqueur, Satan est sous mes pieds, Jésus est dans mon cœur. Vainqueur, vainqueur, je suis plus que vainqueur, Satan est sous mes pieds, Jésus est dans mon cœur. Je suis plus que vainqueur, Satan est sous mes pieds, Jésus est dans mon cœur. Satan est sous mes pieds, Jésus est dans mon cœur. Plus que vainqueur, sous mes pieds, Jésus est dans mon cœur. Vainqueur, vainqueur, je suis plus que vainqueur. Satan est sous mes pieds, Jésus est dans mon cœur. C'est avec ces grands chants de la foi que nous commençons notre mission vainqueur, vainqueur. Daniel était un vainqueur, alléluia. Plus yes. Que... Et nous aussi en Christ, le vainqueur de la mort. Et dit en bon, nous sommes plus que vainqueurs. Oh bien-aimé le Seigneur, aujourd'hui nous avons une belle histoire à étudier ensemble. Hein, vos pasteurs se sont bien préparés pour étudier les 28 versets de Daniel 7. Alors, le Seigneur est avec nous et il veut nous inspirer, nous diriger, nous conduire dans sa gloire par son esprit au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Alors, bon, Michel, je vous salue au nom de Jésus-Christ, le Seigneur. Pareillement, pasteur, en cette belle après-midi du mois de mai. Hein? Mois de mai. La journée de la fête du travail. Tu penses? Mais oui, le 1er mai, c'est la journée mondiale de la fête du travail. Oh, ah. Je ne savais pas. Ça se voit que c'est les retraités qui parlent. Ah, pour moi, la fête du travail, c'est au mois de septembre. Dans ma culture à moi. Mais le mois de mai, le 1er, c'est toute l'Europe, l'Afrique d'en fait. Le mois de mai, moi, c'est la fête des mamans. Ah, ça c'est bon. La fête des mères au mois de mai. Ça c'est bon. Et moi, c'est la fête de Pentecôte. Ah, ça aussi. Pentecôte, j'ai hâte de la Pentecôte. Merci Seigneur pour toutes ces fêtes que tu nous donnes. Et aujourd'hui, nous avons la fête de l'Esprit encore avec la parole de Dieu. Mm-hmm. Et nous avons, comme vous avez dit, les
28 versets du chapitre 7 de Daniel, c'est des versets merveilleux. Alors nous irons partie par partie. On commence par le premier verset. La première année de Belshazzar, ou Balthazar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions. Notez bien ici, il eut un songe et des visions. Se présentèrent en son esprit. Notez encore ici parce que je vais nous apprendre aujourd'hui comment les songes nous arrivent et les visions. Et le Seigneur m'en a donné encore l'expérience ce matin sur mon lit. Et pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Voilà le premier verset. Alors, la première année de Belshazzar. Avez-vous un mot à dire sur cette première année-là? Mais moi, ce que j'ai à dire, papa, c'est que les chapitres de Daniel ne sont pas en ordre chronologique. Très bien. N'est-ce pas? Si quelqu'un s'est demandé, « Hey, ça ne marche pas, cette affaire-là », c'est juste que les chapitres ne sont pas en ordre chronologique. Mais en ordre thématique. Oui. Et maintenant, c'est ces chapitres, en fait, l'histoire de ces chapitres se situe avant la chute de Belshazzar. Mm-hmm. Donc, avant le chapitre 5. Exactement. Ça, c'est bien dit. Et Daniel eut un songe. Et des visions se présentèrent à son esprit. Et regardez, papa Michel, ce qui est là. Quand nous avons les songes de Dieu et les visions, ces songes de Dieu et les visions se présentent à notre esprit. Dieu est esprit et il parle par notre esprit, à travers notre esprit. Mm-hmm. Comme aujourd'hui même, il m'a transporté dans ma ville où j'ai grandi en esprit. Et je me promenais comme la journée. Et quand je me suis réveillé, j'étais consolé parce que j'ai vu des choses comme la journée. C'était comme un film, vous voyez. Alors, c'est dans l'esprit, mais je voyais mon corps. Mais mon corps était transporté spirituellement là. Alors là, je peux comprendre encore ce que vit Daniel. Hein? Il eut un songe et des visions qui se présentèrent à son esprit. Nous avons un corps physique, nous avons un corps psychologique, avec l'intellect, la raison, les émotions, tout ça. Mais nous avons aussi un corps spirituel. Et le corps spirituel est en relation avec Dieu. La stratégie de Satan, c'est de tuer ce corps spirituel afin qu'il ne fonctionne pas. C'est de corrompre ce corps spirituel afin qu'il ne fonctionne pas. C'est de l'aveugler parce qu'il y a des yeux spirituels, il y a des mains spirituelles, il y a des sens spirituels. Imaginez-vous, Michel, on est dans une église, puis tout le monde est dans l'esprit. Tout le monde est l'esprit. Mais vous allez voir les choses qu'on va voir pendant les services. C'est merveilleux. C'est merveilleux, vous allez voir comment les malades vont être guéris, les boiteux vont marcher, les morts ressuscitent, parce qu'on est dans l'esprit. On voit les choses comme Dieu le voit. Ici, Daniel est dans l'esprit. Couché, mais il fonctionne. L'esprit ne se repose pas. C'est ça, papa Michel? L'esprit ne se repose pas. Tu as parlé de vision tantôt. Vision, c'est ça, c'est comme un film. Voilà. Vision, c'est comme un film. Tu vois les choses comme elles sont. Les songes, c'est un film, mais voilé, symbolique, codé. Il faut l'interprétation. C'est pourquoi c'est mélangé vision et songe. Parce que les songes vous viennent souvent endormis, mais de façon codée. Mais la vision souvent est claire. Et quand le songe mêle aux visions, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça devient compliqué. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Uh-huh. Alors ça, c'est le premier verset. Et Daniel prend soin d'écrire le songe et de raconter les principales choses. Il n'a pas tout raconté. Les principales. Mm-hmm.
ce qui est utile pour nous. Je suis sûr qu'il y a des choses qu'il n'a pas racontées. Les principales. Et il a écrit. Nous devons écrire. J'ai béni le Seigneur, Père Michel, tu sais que même nos bulletins, si tu veux qu'on puisse publier nos bulletins chaque année, mettez ensemble, nous avons une édition maintenant en Europe qui peut nous le publier sans rien payer. Ils vont payer pour nous. Nous pouvons les mettre ensemble. On met tout le bulletin ensemble, puis on le publie. Et ils sont prêts à publier pour nous aider à diffuser ça après. C'est quelque chose, hein? Il va falloir penser à ça. Parce que même en temps de confinement, il va falloir produire des bulletins d'abord. Oui, oui. Et moi, je suis encore en train de produire mon livre sur le royaume. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Là, je vais le prouver parce que j'ai l'éditeur maintenant. Je n'ai plus d'excuses pour ne pas le diffuser. Mon livre sur l'Alliance vient d'être édité en Europe. Ça vient d'être édité. Excellent. C'est édité dans Amazon aussi. Alors, Daniel donc a pris soin d'écrire le son. J'ai dit ça par Michel et mes bien-aimés, monsieur, parce que c'est mon co-éditeur. Il m'aide à lire les livres en français, sa langue maternelle. Comme ça, il peut corriger ces livres-là. Toujours bien d'écrire ensemble. Travail d'équipe. Amen. Alors, Daniel donc écrivait le songe et racontant, il écrivait le songe et racontant les principales choses. Deuxième section, versets 9 à 12. Daniel commença et dit, versets 2 à 8 plutôt. Faisons les bêtes, papa. Faisons les quatre bêtes. Oui, les quatre bêtes. Daniel dit, j'ai regardé, pendant ma vision nocturne, et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle, un lion ailé avec des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et il fut enlevé des terres et mis debout sur ses pieds comme un homme, un quart d'homme lui fut donné. Le deuxième, et voici un second animal, était semblable à un ours et se tenait sur un côté, il avait trois côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, voici un autre, le troisième, était semblable à un léopard, un lion, un ours, un léopard, et avait sur le dos quatre ailes, comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. Verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal. Le quatrième animal était terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Et il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elles et 3 de première corne furent arrachées devant cette corne et voici, elle avait 2 yeux comme 2 yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Voilà donc cette deuxième partie, les quatre bêtes, les quatre animaux. Quatre animaux. Oui, puis c'est très bien pour ceux qui nous écoutent, là, si vous pouvez prendre le temps de lire le chapitre 2 avant de méditer le chapitre 7,
Voilà. Ça va vous être d'une grande utilité. Voilà. Mm-hmm. Et vous allez voir que au chapitre 2, vous trouverez que Nebuchadnezzar a eu un songe. Et ici, au chapitre 7, Daniel a eu un songe. Au chapitre 2, verset 15, c'est Daniel qui va interpréter le songe de Nebuchadnezzar. Il s'agissait d'une stratégie splendide qui se composait de quatre différents métaux d'argile représentant quatre royaumes différents. Mm-hmm. Au chapitre 7, il y a quatre bêtes féroces. Et je vous dis que ces deux chapitres représentent la prophétie la plus importante de l'histoire mondiale. Je dis bien la plus importante de l'histoire mondiale. Pour ceux qui font la philosophie de l'histoire, ceux qui font la philosophie de l'histoire, qui ont fait la philosophie de l'histoire avec Hegel, c'est-à-dire ceux qui étudient d'où vient l'histoire, où voit l'histoire, avec Raymond Aron. Eh bien, Daniel est supérieur à Raymond Aron et à Hegel, même à Karl Marx. Daniel, c'est le prophète de l'histoire qui nous dit exactement comment l'histoire était dans le passé, comment elle est dans le présent et comment elle sera dans l'avenir. Et nous le trouvons dans ces chapitres 2 et 7 de Daniel. Non seulement ça, il nous donne comment ça, tout ça va se terminer. Voilà. Ce que Karl Marx ne nous donne pas, ce que Raymond Aron dans sa philosophie de l'histoire ne nous donne pas, ce que Hegel dans sa philosophie de l'histoire ne nous donne pas. Je ne sais pas si, Michel, tu connais quelqu'un qui explique si bien l'histoire présent, passé et avenir comme Daniel. Non. Puis avec tout le respect que j'ai pour les individus que tu as mentionnés, lorsque tu as Dieu avec toi comme Daniel, ben ces gens-là n'arrivent même pas à s'achever. Pas vrai? Oui. Alors, donc ici, il y a les quatre vents de cieux d'abord. Et quand la Bible parle de ces quatre vents de cieux, nous avons affaire seulement à tous ces quatre points cardinaux, mais en même temps, l'esprit qui souffle, les quatre vents de cieux. Et c'est souvent l'expression des quatre points cardinaux, Jérémie 49, verset 36, Ézéchiel 37, verset 9, Daniel 8, verset 8, Daniel 11, verset 4, Zacharie 2, verset 6 et Apocalypse 7, 1. Je ne sais pas si, Mme Michel, vous connaissez une église qui s'appelle Four Square. J'ai entendu, oui. Cette église a été créée par une femme, Catherine Kuhlman. Mm-hmm. Puis finalement, son enfant a pris le dessus après. Mais cette église a atteint les quatre points cardinaux. Quand cette femme-là prêchait, vous voyez le vent de l'esprit qui soufflait. Et ici, nous avons affaire vraiment aux quatre vents de cieux. Et ici, nous avons affaire à la puissance de Dieu qui agit partout. Et la grande mère, le texte ne dit pas quelle mère il s'agit. Certains pensent que la grande mère, c'est la mer Méditerranée. Mm-hmm. Je ne leur retirerai pas cette prédiction. Mais il ne faut jamais oublier que la mer aussi signifie dans la Bible les nations. Les nations. Et là, vous pouvez le trouver dans Apocalypse 17, 1 à 2. 2 verset 15 aussi. Alors, nous sommes en Méditerranée. Nous ne sommes pas loin de la Méditerranée. N'oubliez pas, Daniel se trouve là où se trouve Babylone, Perse et tout ça, dans cet environnement-là. Et là, il voit une première bête qui est comme un lion avec des ailes, un lion ailé. Jérémie 4, 7. Jérémie 4, 7. Babylone est illustrée par un lion. En Ézéchiel 17, verset 3. Par un aigle. Ces choses s'appliquent bien à Nebuchadnezzar. Il avait un lion et un aigle, un lion ailé. Le fait que ses ailes furent arrachées et qu'il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et qu'un homme lui fut donné,
un cœur lui fut donné. Ça applique bien à Nebuchadnezzar. Vous connaissez Nebuchadnezzar quand il était malade, quand il est devenu comme un animal. On lui avait d'abord enlevé son cœur humain et après, on lui a redonné son cœur. Donc ici, on sait, on parle de quel royaume? De Babylone. Et on sait que le lion est le roi des animaux, papa. Voilà. La tête d'or. La tête d'or. Et la deuxième bête, verset 5, c'est l'empire médo-perse. Nous sommes encore, nous sommes au bras là. L'ours qui se tenait, et sur un côté, cette image d'ours indique le fait que ce royaume consistait en fait en deux royaumes. Mède et Perse. Daniel 2, 32. La poitrine avec ses deux bras, donc aussi deux parties, et qu'il se tenait sur un côté, indique le fait que la Perse était supérieure à la Médie. Et ce fait est confirmé par l'histoire profane également. Confère chapitre 8, verset 3. Les deux cornes du bélier, dont une était plus longue que l'autre. Toutes ces visions s'harmonisent avec Daniel 2, Daniel 8, Daniel 7, harmonie totale. Les trois côtes dans sa gueule, entre les dents. La Bible annotée affirme que cela indique le fait que les Médopèses avaient dirigé leur conquête vers l'Occident, vers le Nord, vers le Sud, mais pas vers l'Orient. Ils ont croqué l'Occident, le Nord, le Sud. Et d'autres interprètes pensent que cela indiquerait trois grandes victoires des guerres remportées. Mais moi, j'irai plus loin. Le trois eaux, pour moi, indique la victoire totale qu'on a donnée à cet empire médo-perse pour préparer le retour des enfants d'Israël en Judée. Vous voyez, pour aller rencontrer l'homme de Troie. L'homme de Troie. Ça, c'est moi. Ça, c'est ma découverte. En lisant les quoi, là. Ben, moi, je ne suis pas allé si loin que toi. Moi, j'étais avec les conquêtes, là, les trois grandes victoires sur l'Égypte. Sur Babylone et la Lydie. Oui, le Babylone 539-538, l'Égypte 539, et un peu plus tard, la Lydie, Asie mineure, aujourd'hui la Turquie. C'est vrai. Mais toutes ces victoires préparaient la neutralisation des autres royaumes pour préparer Rome afin que Rome puisse préparer l'avènement du Fils béni de Dieu. Yes. Oh, oh. La troisième bête, la Grèce, le léopard ou la panthère, correspond au ventre et aux hanches en airain de la statue de Daniel 2, versets 32 à 39. C'est le royaume grec, hellénique. Et ce royaume, n'oubliez pas, a préparé la langue à travers laquelle l'évangile du royaume de Dieu sera diffusé dans le monde entier. La Bible a noté, commente, que le léopard a pour caractère l'agilité et la soudaineté. D'abord, rapidité et soudain. Habakkuk 1:8. Cet emblème convient admirablement à la rapidité de conquête de Grec, de l'empereur grec Alexandre le Grand. 8:5. Yes. Quatre ailes d'oiseau. Et cela renforce encore la rapidité. Vous rappelez, un léopard avec des ailes, avec quatre ailes d'oiseau. En effet, en quelques peu d'années, Alexandre a conquis avec l'Asie mineure, l'Égypte, tous les continents asiatiques jusqu'à l'Inde, en quelques années. Et il y a eu un moment où tout le monde l'a parlé grec. Tout le monde l'a parlé grec sous Alexandre le Grand. Alors, les quatre têtes, cela se rapporte à quoi? Certainement au fait qu'après la mort subite d'Alexandre le Grand, son royaume fut gouverné par quatre rois.
En fait, son grand royaume fut divisé en quatre royaumes différents. Et ses successeurs furent quatre généraux de son armée qui se donnaient les titres de roi. Confère Daniel 8:8. Et lorsque la grande corne s'est cassée, quatre autres cornes sortirent de la tête du bouc dans Daniel 8:8. Dans Daniel 8:21-22, il est dit, et cela confirme explicitement que ces quatre cornes représentent quatre rois, et c'est-à-dire quatre royaumes venant du royaume grec. Ces quatre rois avec le royaume étaient Cassandre, la Macédoine et la Grèce, Lysimaque, la Thrace et la Bithynie, Séleucus, la Syrie, la Babylonie et la Perse, et Ptolémée, l'Égypte, Israël et l'Arabie. Voilà les quatre rois de ces quatre têtes. Et c'est intéressant. Puis vient le verset 7 à 8, le quatrième royaume, la quatrième bête. Celle qui est d'intérêt. Celle qui est d'intérêt pour nous. Voilà. Cette bête n'a pas de nom. On ne l'appelle pas léopard, on ne l'appelle pas lion, on ne l'appelle pas... Non, elle n'a pas de nom, mais elle est épouvantable, cette bête. Elle dit bien, et cette bête, je regarde pendant mes longueurs, un quatrième animal. Il s'appelle le quatrième animal. Terrible, épouvantable, extraordinaire. Et je veux dire, c'est aussi un animal monstre parce qu'il va durer longtemps. Il dure jusqu'à maintenant. Il change de forme, cet animal, mais il est toujours là. Nous sommes dans cet animal, avec cet animal, même aujourd'hui. Il change tellement de couleurs, de formes religieuses, de formes et sociales, et politiques, qu'il est difficile de l'identifier. C'est quatrième bête puissante. Elle a dominé le monde. Papa, j'étais en train de réfléchir sur ce royaume romain. Et puis j'ai vu que tout le monde entier, par exemple, presque anglophone, c'est dominé par le Commonwealth. Le Commonwealth domine une bonne partie du monde entier. Depuis le Canada jusqu'à toute l'Afrique et l'Asie. Puis vient l'Union européenne. De l'autre côté, la France domine une bonne partie de l'Afrique et des îles. La France, c'est toujours descendant de Romains. Puis l'Allemagne vient avec l'argent derrière. C'est l'Allemagne qui gère l'argent, les finances derrière. C'est toujours les Romains. La Chine, la Russie, c'est toujours les Romains, parce que la Russie était avec les autres. La Chine, là, l'Hindou, là, ne sont que des petits satellites. L'histoire se passe au centre du monde. Alors, ce royaume, cette quatrième bête, qui est féroce, plus féroce que les trois bêtes précédentes, elle correspond aux deux jambes en fer et au pied de la statue de Daniel 2, versets 40 à 43. Indice à l'appui, la bête a des dents en fer, les jambes en fer. La bête a 10 cornes, les deux pieds avec 10 orteils au total. Yes. Son atrocité, verset 7, correspond bien à la description de la partie en fer de la statue de Daniel 2:40. Les gens ne savent pas qu'est-ce que l'atrocité des Romains. Vous ne savez pas qu'est-ce que les Romains ont fait même aux Juifs. C'est atroce. Ce que Hitler a fait aux Juifs, c'est rien par rapport à ce que les Romains ont fait. Vous ne savez pas ce que l'Église romaine a fait à tous les saints de tous les temps, jusqu'aux huguenots de France, ce qui a fait exiler beaucoup d'huguenots vers l'Amérique du Nord. Les gens ignorent. Rome continue. Et quand je parle de Rome, je ne parle pas seulement de l'Église romaine. Non, Rome, c'est un système. Tout le système de taxes qu'on a, c'est Rome. Un système militaire, c'est Rome. Un système politique, c'est Rome. Un système d'occultisme, c'est Rome.
un système de société secrète, c'est Rome. Un système de la mafia, c'est Rome. Rome. Quand vous êtes dans la mafia romaine, vous allez voir comment ils sont méchants. Dieu me pardonne, je ne veux pas aller plus loin. La tête de cette bête avait 10 cornes. Yeah. Et une autre petite corne qui parle avec arrogance. Interprétation de cette quatrième bête. Voir la deuxième partie, nous allons le voir. Intéressant, papa. Qu'est-ce que tu penses de cette quatrième bête? Ah, là, on est rendu dans la viande, là, papa. N'est-ce pas? La viande. D'ailleurs, la petite corne, je pense que c'est pas un secret. C'est relié à l'Antéchrist, n'est-ce pas? Dont on parle à profusion dans le livre de l'Apocalypse. Mm-hmm. Et cette petite corne-là, qui va sortir du milieu des 10 cornes. Mm-hmm. Ouais? Et que là, au verset 8, on nous dit que... Et là, il y a 3 des 10 cornes qui ont été arrachées devant cette petite corne-là. Et cette petite corne-là avait des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc ici, on parle de la personne. On parle d'une personne. Mm-hmm. On retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Ici, juste une petite parenthèse ici, que dans les temps anciens, on mesurait la puissance d'un animal par ses cornes. Mm-hmm. Ouais? Parce que la corne est le symbole de puissance et d'autorité. Bien sûr. C'est pas pour rien ici que cette bête-là, on parle de toutes sortes de cornes, n'est-ce pas? Oui. Puis un peu plus tard, là, dans ce même chapitre, on va parler un peu plus là, de cet antéchrist et des cornes, etc., etc. Oui. Parce que, en tout cas, à moins que je l'ouvre maintenant, mais vous savez, papa, des fois, on fait tout ça parce que c'est un sujet qui est tellement passionnant. Là. Beaucoup de gens font des prédictions, des analyses à savoir qui est l'antéchrist, etc. Mmh. Mais pour moi, dans mon cœur à moi, tant qu'on ne saura pas qui sont ces 10 nations-là, qui sont les 10 cornes, bien, on ne peut pas vraiment deviner qui est l'antéchrist parce que l'antéchrist va émerger à partir de ces 10 cornes-là. Mmh. Et après ça, c'est cette petite corne-là qui va arracher 3 nations, right? 3 autres cornes. Mm-hmm. Donc, en tout cas, ça c'est ma même si c'est le fun des fois d'essayer de deviner qui est l'antéchrist, mais dans mon personnellement, je suis convaincu. C'est un peu comme lorsque Ésaïe avait prophétisé 150 ans avant la venue de l'Empire qui passerait par le lit de la rivière de l'Euphrate pour venir conquérir Babylone. Cette prophétie-là, les gens la connaissaient, mais tu as réalisé qu'elle s'est manifestée lorsqu'elle est arrivée. Amen. Puis moi, je regarde ça là, un peu de la même façon, dans le sens que on va savoir qui sont ces 10 nations-là lorsque la petite corne va émerger de ces 10 nations-là et qu'elle va passer de trois des royaumes sur 10. En tout cas, je ne voulais pas parler de ça à ce moment-ci, mais je l'ai fait. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. C'est très important de savoir qu'il faut connaître de quoi on parle. Les 10 cornes. Qui sont ces nations-là de 10 cornes, ces royaumes? Mm-hmm. C'est très important ce que Pasteur Michel nous donne ici comme remarque. Très important de savoir cette petite corne, qui est-elle? Qu'est-ce qui représente-t-elle? Nous verrons cela avec l'ange qui va parler avec Daniel. Alors ici, nous avons vu comment Daniel a eu ses songes, ses 4 animaux. Nous avons vu le mystère du quatrième animal.
Puis là, nous allons au verset 9 et 12. Il y a un autre mystère. Verset 9 à 12. J'ai considéré, verset 8, et voici une autre petite corne. Ça, c'est verset 8. Sortie du millénaire, et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Pendant que cette bouche parlait, verset 9, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. On plaçait des trônes. Mais où c'est? Daniel est dans l'esprit. Yes. Il observe qu'on place des trônes. Et l'ancien de jour s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. On a affaire au même ancien de jour que nous retrouvons chez Ézéchiel, mais aussi dans Apocalypse 4. L'ancien de jour, le Père éternel, les créateurs des cieux et de la terre. Il est assis sur son trône. Et son trône était comme des flammes de feu, parce qu'il y a des chérubins. Et le roux comme un feu ardent. La gloire de Dieu est partout là. Tout est vivant autour de lui. Même son trône est vivant. Il n'y a rien de mort autour de lui. Tout est vivant. Et un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Un fleuve de feu. Mille et milliers, mille milliers le servaient. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Mille milliers le servaient. Et 10 000 millions. Il manque même des chiffres pour le compter. Se tenait en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Les livres de jugement. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et c'est là que Pasteur Michel nous dit, attention, la corne, attention, attention. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué. Et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Ça, c'est le lac de feu. Et les autres animaux, c'est-à-dire les autres royaumes, furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Quel est ce temps? Je regardais pendant mes visions nocturnes, verset 13, et voici sur le nuée des cieux arrivé à quelque chose. Je ne sais pas si Michel a quelque chose à dire sur celui qui est assis d'abord sur le trône, là, de 13 à 14. Ben, moi, je veux dire, papa, que au verset 9, pendant que l'on plaçait des trônes, là, j'ai médité probablement à savoir, parce que le mot trône est au pluriel. On ne parle pas du trône sur lequel l'ancien des jours est assis. On parle des trônes. Les trônes au pluriel. Oui. Et on ne dit pas combien de trônes, et on ne dit pas qui est assis. Les juges. Et vous risquez d'être assis là-bas pour juger des anges. Il y a des juges. Ça, c'est le jugement. Oui, puis après ça, là, on fait surtout allusion à Apocalypse 19 et 20. Bien sûr. Pour le jugement dernier. Bien sûr. Et là, vous voyez comment c'est majestueux, c'est glorieux. Et se poser là, c'est fait avec autorité, assurance et calme. Rien ne peut toucher le trône de Dieu en flamme et ce trône de juge
qui siège avec le Seigneur dans sa gloire. On est vers la fin de temps. C'est la fin de temps. Oui? Je vais être franc avec toi, papa. Pour les trônes, là, je n'étais pas certain ici si on parlait des trônes du livre de l'Apocalypse. Right? Parce, en tout cas, je méditais sur tout ça un peu, oui. Là, à savoir que, vu qu'on ne nous a pas dit combien et qui était sur ces trônes-là. Enfin, ça, c'est pas le trône des 24 brevillards, c'est le trône du juge. Mais j'y ai pensé pareil. C'est bon de penser pareil. Ça veut dire que ton cerveau fonctionne quand même. Oui, puis le 24. Hein? Le 24. Les 24 classes. Ça, c'est plus que 24. Parce que la nuée des juges. Mm-hmm. Parce que le jugement va être très rapide aussi. Hein? Alors, et regardez la partie qui suit. À partir du verset 14, 12 d'abord. Les animaux, les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, de leur autorité. Mm-hmm. Et là, probablement, on est au millénium. Vous voyez, on dépouille toutes les nations de leur autorité. Mais il y a une prolongation des vies qui leur est donnée pour un temps, un certain temps. Je n'irai pas très beaucoup là-dessus. Mais il y a une prolongation qui sera donnée. Indéterminée. Ah. Et je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur le nuée des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Fils de l'homme. Voyez-vous la différence pour ceux qui ne croient pas qu'il y a Dieu le Père et Dieu le Fils dans le même Dieu, la parole de Dieu. Mm-hmm. Nos amis islamiques et autres qui ont de la peine à croire que Dieu a un fils. Le fils de Dieu, le fils de l'homme. Fils de l'homme parce qu'il porte en lui notre corps. Il porte en lui les marques de notre péché. Mm-hmm. Il s'avança vers l'ancien des âges, l'ancien des jours, son père. Et on lui fit approcher de lui. On les fit approcher de lui, c'est-à-dire il y a des anges, son couronnement là. Et on lui donna la domination, verset 14, la gloire et le règne. Souligner ces trois mots. Mm-hmm. Il y aura un jour où toute domination sera donnée au Fils de l'homme, toute gloire au Fils de l'homme et tout règne au Fils de l'homme. À ce jour-là, on ne priera plus que ton règne vienne, parce que ton règne sera établi. Mmh. Et tout le peuple, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Le Fils de l'homme, mon cher Michel, le Fils de l'homme. Moi, je trouve ça absolument merveilleux que Daniel ait sorti ces mots-là. Fils d'homme. Right? Pareil comme on voit dans le Nouveau Testament. C'est avant son incarnation. Oui, c'est ça. Le fait que ces mots-là aient sorti de sa bouche, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Quelle connaissance! Reviens à la partie suivante de la quatrième section. Daniel, moi, je l'aime beaucoup. Parce qu'il est sincère, il est honnête. Et nous nous excusons d'avoir commencé déjà à expliquer ce que nous avons lu au départ. Parce que Daniel, lui, il dit clairement, « J'ai l'esprit troublé au-dedans de moi. Les visions de ma tête me frayèrent. » Daniel, c'est le type de savant honnête. Et moi, je vois des gens très honnêtes quand ils découvrent quelque chose, ils disent, « Ça me dépasse. » Daniel est dépassé par cette vision. Il est dépassé par ses songes. Il dit, mon esprit est troublé au-dedans de moi. Les visions de ma tête me frayèrent. Je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là. Qui était là avec Daniel? Hein, mon Michel? Qui était là avec Daniel au pluriel? L'un de ceux qui étaient là. Qui était là avec lui? Possiblement un ange.
Il est au pluriel, hein? J'ai approché de ceux, à l'un de ceux qui étaient là. Mais j'étais nombreux. Oui. Donc Daniel était quelque part avec des gens très spéciaux. Mm-hmm. Et ces gens-là, c'est des messagers fidèles de Dieu. Alors Daniel s'approchait de l'un d'eux et lui demanda de lui révéler la vérité quant à toutes ces choses. Dites-moi la vérité, qu'est-ce qu'il y a? Il me répondit et m'a fourni l'explication. Maintenant, écoutons l'explication. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternel d'éternité en éternité. Point. Quelle explication laconique. Très bref. Un résumé bref. Voyez-vous, Daniel a vu une grosse vision. Beaucoup de choses. Lui, il le résume en quelques mots. Ces quatre grands animaux sont quatre rois qui s'élèveront sur la terre. S'élèveront de la terre. Mm-hmm. Mais les saints du Très-Haut. Oh, êtes-vous là, saint du Très-Haut? Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Et ils posséderont le royaume éternellement. D'éternité en éternité. Les saints. Il n'a pas, perdu de temps à lui donner les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles. Est-ce que vous êtes là le saint de Dieu? Vous connaissez une église qui appelle le saint des derniers jours. Mais j'aimerais vous dire que si vous êtes en Christ, vous êtes saint, sanctifié par le sang de l'agneau, baptisé du Saint-Esprit, scellé par l'Esprit pour le jour de la rédemption. Les saints du Très-Haut recevront le royaume de Dieu. Et ils recevront ce royaume et vont le posséder éternellement. Au lieu qu'il s'arrête éternellement, il dit d'éternité en éternité. Nous régnerons avec Jésus pour toujours. Alléluia. 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 Cinquième section, 19 à 27. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal. Daniel n'est pas satisfait de l'explication synthétique de l'ange. Mm-hmm. Mais il dit, mais le quatrième animal, c'est quoi cette histoire-là? Qui était si différent de tous les autres, extrêmement terrible, et qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Je ne sais pas si les gens savent, quand l'Occident est venu coloniser l'Afrique, c'était le poudre, un canon balayait toutes les petites armées de nos royaumes là-bas. Rome. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti et devant laquelle 3 étaient tombés sur cette corne, qui avait 2 yeux, une bouche, parlant avec arrogance, et une grande apparence que les autres. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parlait ainsi, et écoutez ce qu'il me dit. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Bien-aimé, on n'a pas encore vu la mondialisation. Ce mot-là, ça, c'est la vraie mondialisation. Tout ce que nous voyons, c'est du théâtre encore, c'est de l'amusement. Michel, ici, on parle de la vraie mondialisation. Ce système va dévorer toute la terre. Yes. Totalement différent des autres. Totalement différent, va dévorer toute la terre, va fouler, briser toute la terre.
Et les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, qui sortiront de ce royaume. Et un autre se lèvera après eux, et il sera différent du premier, il abaissera les 3 rois. Et il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer le temps et les lois. Il va espérer changer le temps et les lois du monde entier. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, 1 an, 2 temps, 2 ans, ça fait 3 ans, et la moitié d'un temps, 3 ans et demi, ou 1260 jours. Vous avez ça dans l'Apocalypse. Juste quelques commentaires, papa. Amen. Là où on dit, là, au verset 21, « Je regardais cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. » On retrouve exactement les mêmes paroles dans Apocalypse 13 au verset 7. Amen. Exactement le même verset. Puis là, ici, après avoir vu lu ces versets-là, s'il y a des gens qui ont des doutes quant à savoir qu'à un moment donné, il va y avoir un gouvernement mondial, ou en anglais, One World Order, une religion, une seule économie mondiale, etc. Oui. On a simplement qu'à regarder tout ce qui se passe autour de nous pour voir qu'il y a des signes. Il y a des signes, n'est-ce pas? Oui. Et lorsque je regarde tout ça, papa, j'ai pris une citation du pasteur William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut. Oui. Puis, j'ai toujours gardé ça avec moi. Là, puis, il dit, le plus grand danger qui guette l'Église dans le siècle à venir, qui est maintenant, 5 points. Une religion sans le Saint-Esprit, une chrétienté sans Christ, le pardon sans repentance, le salut sans transformation, et le ciel, mais pas d'enfer. Si vous prenez ces 5 points-là, là, dans plusieurs dénominations qu'on voit présentement, là, il y a beaucoup de ça. Right? Puis, là, on a simplement que les plus grandes religions protestantes, Saint-Esprit, on ne parle pas beaucoup. Chrétienté sans Christ. Moi, quand j'avais fait mon voyage en Israël, à la une des journaux là-bas, sur le Jerusalem Post, on parlait de rencontres entre l'Église catholique et les musulmans. Parce que la seule petite différence qu'il y a entre ces grandes religions-là, c'est la déité de Christ. Amen. Le jour où on va se débarrasser de ça, fini. Une religion mondiale. Puis le pardon sans repentance, bien, je peux vous assurer qu'après mes années d'évangélisation sur la rue, là, parler du péché, ce n'est pas du tout populaire, n'est-ce pas? Mm-hmm. Salut sans transformation, autrement dit, Jesus loves me. On oublie cette nouvelle naissance-là. Puis il n'y a pas personne aujourd'hui qui veut parler d'enfer. Tout le monde va aller au ciel. Hein? Mm-hmm. Dieu est miséricorde. Fait que pour moi, là, c'est quelque chose qui est vraiment venu me chercher là, en faisant l'étude de ce chapitre-là de Daniel. Autrement dit, une église tiède. En plein ça. C'est même plus, bien pire un peu. Hein? Sans Christ. Sans Christ. Oui. Sans tête de l'Église. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous sommes revenus cette année sur les livres de Daniel, au livre de Daniel. Et vous voyez ici, au verset 25, il dit, ce roi-là, cet antichrist, prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer le temps et les lois.
et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. C'est les tribulations. Mm-hmm. 26. Puis viendra le jugement et lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Mm-hmm. Le jugement l'attend. Mm-hmm. Et ça, vous l'avez dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse. Autrement dit, cet être-là ne sera pas l'alpha et l'oméga. Avez-vous quelque chose à dire? Oui, un commentaire sur 25, papa, concernant un temps, des temps, comme tu as dit, des temps, c'est deux, mm-hmm. et la moitié d'un temps. La Bible nous donne quantité de références concernant cette fameuse période de 3 ans et demi, là. Amen. La deuxième moitié de cette période de cette année-là. Mm-hmm. Dans Apocalypse 11:2, on parle de 42 mois. Dans Amen. Apocalypse 12:6, on parle de 1260 jours. Dans Apocalypse 12:4 et Daniel 12:7, on reprend la même expression. Un temps, des temps et la moitié des temps. Et lorsque la même chose revient à maintes occasions, là, c'est vrai. Moi, en tout cas, je regarde ça comme le Saint-Esprit ne voulait vraiment pas là, qu'on manque le bateau. Il voulait qu'on comprenne bien que cet intervalle-là de 3 ans et demi, là, c'est important. Après cet intervalle-là, que Dieu donnera à l'Antichrist pour manifester les mots, manifester toute la haine du dragon. Verset 26, puis viendra le jugement. On lui ôtera la domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Verset 27, les règnes, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs les serviront et lui obéiront. Donc, terre, il faut écouter ça, terre entière, toutes les nations. Il y a un patron de l'histoire, un boss, un seigneur, il y a un maître de l'histoire. Un jour, il va dire son dernier mot. Il parle pas beaucoup, mais quand il dit un mot, la chose arrive. Il n'agit pas dans le désordre, mais quand il agit, il se passe des choses. Il est le créateur, il est le propriétaire. Et un jour, son ennemi mortel va être anéanti à tout jamais. Et il va établir son royaume d'amour, son royaume de paix, son royaume de gloire, son royaume d'excellence, son royaume de joie dans tout l'univers. On ne parlera plus de misère, on ne parlera plus de famine, on ne parlera plus jamais d'injustice. Le péché sera une histoire terminée. Nous serons dans la sainteté pure. Parce que son règne, sa domination, sa grandeur dans tout le royaume va s'imposer. Et ce règne-là est un règne éternel. Tous les dominateurs vont le servir et lui obéir. Et je ne sais pas si les gens ne se rendent pas compte. Beaucoup de tyrans et de dictateurs se sont trompés dans le monde. Et même des tyrans au niveau des familles, les gens se comportent s'ils étaient de Dieu. Une petite richesse qu'il a, il pense qu'il est Dieu. Il pense qu'il est Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Oui, nous étions créés à l'image de Dieu. Mais nous ne sommes pas Dieu. Nous dépendons de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Nous devons craindre Dieu et l'adorer en esprit, en vérité. Mm-hmm. Et notre Dieu est plus puissant que le diable, plus puissant que les démons, plus puissant que les tyrans, plus puissant que n'importe quel maléfique et malveillant. Et c'est intéressant de voir comment Daniel finit les paroles, il dit, ici finir les paroles. Il y a une, c'est drôle, dans ma langue,
il y a une expression qui dit ici, si je termine ma parole, fini la parole maintenant. Ici, fini ma parole. Fini les paroles. Ici, finir les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé. Autrement, extrêmement touché par mes pensées. J'ai changé de couleur. Même la couleur de sa peau était marquée. J'ai conservé ses paroles dans mon cœur. Maintenant, j'aimerais nous rappeler au moins quatre choses. Premièrement, savez-vous dans quel temps nous sommes? Dans quel temps nous sommes sur l'horloge de la fin des temps? Deuxièmement, savez-vous quel est le régime qui est en train de se mettre en place? Quel est l'esprit qui est en train de se mettre en place dans le monde? Et ce système qui s'impose depuis au moins plus de 100 ans maintenant, subtilement. Ça serait un système multiculturel, transculturel, multireligieux. Ou comme l'a dit encore mon bien-aimé, il y aura une grande religion, mais sans Jésus-Christ. Il y aura le ciel et la paix, mais sans repentance, sans le salut. Et de plus en plus, cet esprit-là, quand on vient vous dire, bon, vous pouvez être chrétien, mais vous n'avez pas besoin de vous repentir. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Bien-aimé, j'apprends à naître de nouveau. Je suis né de nouveau déjà depuis longtemps. J'apprends à naître de nouveau chaque jour et à chaque instant même maintenant. J'apprends à me repentir de tout péché. Toute iniquité. Frère Michel, un petit mot de conclusion. Ben, juste pour finir avec ton repentir, papa. Repentir. Dans Luc 13, au verset 3 et au verset 5, notre Seigneur, à deux reprises, il dit, « Mais si vous ne vous repentez pas, vous allez tous périr. » Puis, au cas où quelqu'un aurait manqué la signification du verset 3, il le répète au verset 5. « Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. » Alors, l'importance de la repentance, l'importance de la nouvelle naissance. Hein? La nouvelle naissance commence avec le repentir. Le repentir et accepter Jésus-Christ dans notre cœur comme notre Seigneur et Sauveur. Et lorsque je regarde là, le chapitre de Daniel qu'on vient de lire, on parle toujours des saints du Très-Haut qui vont régner avec Christ pour l'éternité. My oh my! Si je n'étais pas un saint du Très-Haut, ma première question serait, mais comment est-ce que je fais pour devenir un saint du Très-Haut? Qu'est-ce que je dois faire pour devenir un saint du Très-Haut? Alléluia! Et tout ça commence par reconnaître que nous sommes des pécheurs. Amen. Demander pardon pour nous. Pardon, Seigneur. De remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait à la croix. Merci, Seigneur, pour tout ce qu'il a fait, Seigneur. Lui, le sacrifice parfait, lui qui a pris nos péchés sur lui, Seigneur Jésus. Lui qui a donné sa vie, lui qui a souffert pour tous et chacun d'entre nous, Seigneur. Quel merveilleux cadeau. Il n'y a pas de plus grand cadeau que de donner sa vie, Seigneur, pour quelqu'un d'autre. Et Jésus a donné sa vie pour nous, Seigneur. Quel merveilleux cadeau. Et comme n'importe quel cadeau, Seigneur, ben, le cadeau est là. Et là, nous qui sommes tout près, ben, c'est notre responsabilité. Est-ce que je vais accepter ce cadeau-là? Est-ce que je vais recevoir Jésus-Christ dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur? Croire à ce qu'il a fait à la croix pour tous et chacun de nous. Et c'est comme ça
que vous alliez devenir un saint du Très-Haut. Et c'est comme ça que vous allez régner avec Christ à jamais. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions pour le cœur que tu ouvres, comme tu as ouvert mon cœur et celui de ton serviteur qui intervient avec moi ici, Seigneur. Merci parce que ton esprit convainc du péché, de la justice et du jugement aujourd'hui même. Quelqu'un qui écoute. Merci parce que ton Saint-Esprit vient avec le sang de l'agneau laver et purifier pour mettre à part cette personne. Merci pour, ô Seigneur, ces animaux, monstres qui s'élèvent dans le monde, mais qui sont anéantis par la puissance de notre Dieu. Yes. Merci pour les saints qui vont hériter la terre, hériter ton royaume pour l'éternité. Nous te louons, Seigneur, pour ce temps béni que tu nous as donné ensemble. Nous avons expérimenté que c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.